Excuse, ici Ransom. Je viens de recevoir votre requête. Oui, j'ai bien des archives du relais de transmission et j'ai effectué quelques décryptages. Je cherche des rapports d'un équipage qui ont été captés par Sébastopol il y a des lustres. Je sais que vous vous faites du mouron, mais c'est de l'histoire ancienne. J'ai besoin de savoir certains trucs. C'est à propos d'une transmission de données pour la compagnie émise aux abords de Ténus par un vaisseau avant qu'il entame son voyage de retour. Ça casse pas trois pattes à un canard. Ceci dit, personne d'autre n'a besoin de savoir, hein ? Si vous balancez, attendez-vous à des représailles. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de choses que Marie ignore, pas vrai ? Laissez-les faire leur décodage et mettez-moi au courant quand ils auront fini. On peut garder ça dans le domaine civil. Ouais. Ok. Ricardo, réception du centre du serveur bouclé. Bien joué. Va dans la grappe de serveur. Discretos. Et c'est où ? La grappe de serveur. C'est à 2000 km d'ici. Au moins. T'as, y a pas une sauvegarde, bordel de merde, là ? La porte est fermée de l'autre côté, je peux y accéder par... Non. Oh merde! Une sauvegarde s'il vous plaît là, ça fait un... Ça fait un moment que j'en ai pas trouvé. Ok, deux petites secondes. Une sauvegarde là. J'ai prévu une fermeture d'urgence sur le terminal dans la grappe de serveur. Il faut la déclencher de là pour t'enfuir. La sortie est ouverte jusqu'à ce que tu sois dehors. Ensuite, je referme le piège. Ok, ça marche. J'ai pas tout, tout lu, pas tout compris, mais ça marche. Ça y est, je suis soulagé d'un coup là. Alors j'ai un émetteur de son V2, ça change quoi? Parce qu'attendez, j'ai des trucs qui sont rajoutés là, non? Une fume, une liquide taser, un sphère, un fumigène, émetteur de son. Ouais, non, je sais pas. J'ai pas vu ce qu'il faisait le V2. Je vais tenter là-bas. Je viens de sauvegarder, donc je vais en profiter. C'est mes traces de pas, ça? Non, c'est l'Android. Non, oui, c'est les miennes, en fait. Apollo et les Lambdas travaillent en main pour assurer la sécurité et la connexion optimale de Sébastopol. Gaz, gaz. Je sais pas par où je vais là, mais j'y vais. Si l'état de la station vous est désagréable, veuillez me le faire savoir. Mais ils ont pas l'air d'être agressifs. Non, ils sont pas agressifs, d'accord. Ça m'étonne, hein. Ça m'étonne qu'ils soient pas agressifs. J'ai tellement l'habitude de voir des androïdes agressifs. Hein. Surtout que s'ils sont contrôlés par Apollo, en toute logique, ils devraient tous l'être, quoi, mais... À moins que ce soit pas du tout les mêmes synthétiques, hein. Parce que c'est vrai qu'ils ont pas les mêmes
combinaison, j'ai l'impression. Elle est fermée pourquoi celle-là? Fermée, c'est tout, d'accord. Oh! Où est-ce qu'il est? Quand j'entends feuille du confinement de danger reporté, qu'êtes-vous? C'est-à-dire qu'il y a... Il est redescendu. Il est par là. Ouais, il marche, je l'entends. La chance. Qui c'est qui vient de gueuler là? T'es dans les conduits? Ok, par où maintenant? Oh putain! Je suis pas dessus encore. Hein. On va mettre à jouer. C'est moi qui pars là-bas. Ou pas? Je le vois pas, je sais pas où il est. Là, j'entends plus bouger donc. Putain, il sait que je suis là. Ça m'emmerde là. Je peux pas bouger tant qu'il est là. Il va faire demi-tour. C'est bien relou. Bon écoutez, il faudra que j'avance. Notre gamme bandolide Vanda vous intéresse. On attaque sur une fixe.
Ok, par où? Y'a quoi tout droit? On va voir. Détecteur. Ok, bon, on va dire qu'on est bon, hein. Ah, c'est juste histoire que je puisse prendre ça. Putain! D'où il m'a vu? Allez, putain, allez, 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 allez. Fouf. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, il y a du gaz, on va y aller. Putain, j'ai cru que j'allais jamais y arriver, bordel. Je me chie un peu dessus. Encore, c'est pas fini. Merde. Là. Ça. 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 Et ça. Voilà, c'est bon. C'est bon, mais maintenant je fais quoi? Retour à la case départ. T'as une sortie de couloir, Ricardo. Une petite minute. Ricardo, la sortie est dégagée. Eh merde, c'est fermé. Ça bouge pas. Mais qu'est-ce que tu prends, Ricardo? Allez par là. Oh merde. Désolé, je fais ce que je peux. Comment ça? Évacuer le centre du serveur? Lance-flamme. Là, normalement, il devrait pas me voir. Ricardo, est-ce que t'as du nouveau? Faut plus de temps. Et j'ai pas plus de temps. Putain, comment je fais quoi? Je vais où, là? Oh la vache, je sais pas du tout. Where, par où? Par où qu'on sort? Par où qu'on sort? Là-bas? Attendez, faut que je revienne là-bas? Mais comment j'y retourne, là? Faut que je refasse tout le tour? C'est moi où il y avait l'alien là qui est... Je sais pas ce qui s'est passé avec l'alien mais... Alors attendez, verrouiller toutes les issues, ouais d'accord, mais donc moi il faut que je fasse demi-tour. Et ça, ça me fait un peu chier quoi parce que... Faut que je refasse tout le chemin inverse. Il doit y avoir un raccourci.
Ah oh, putain, c'est pas vrai. Allez, vite, 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 vite. Attendez, je vais où? Ah bordel, faut que je passe par là. Je sais pas pourquoi je fais tout le tour, moi. Toujours, je me complique la vie, hein. Oui. Cet enfoiré, il est là. Non, c'est un... Ricardo, comment t'as réussi à l'ouvrir? J'ai dû éliminer l'alerte. C'était la seule façon de la faire sortir. Tu l'as laissé s'échapper. On l'avait renfermé et tu l'as laissé s'échapper. Ripley, il vous suit toujours. Par où je vais? Prenez l'ascenseur jusqu'au labo Gemini. S'il vous suit, on pourra toujours le coincer là-bas. Ah, oh, la merde. Ricardo, quoi qu'il arrive cette fois, on peut pas le laisser s'échapper. Gemini Exoplanet Solution, ok. C'est comme si j'y étais. Enfin, j'espère. Mais non, je vais pas du tout au bon endroit, là. Si? Si. Non. C'est pas celui-là. Bon. Oh, bourzouf. C'est par où qu'il faut aller? Faut que je remonte par là. Il est là, j'ai vu le truc. Quelque chose s'est coulé, non? Ou c'est moi, je sais pas. Ouais, quoi qu'il en soit, on reste pas là. Voilà, y a pas de bouche des racines ici, en fait. Oh la merde! Ah, ça c'était obligé! C'était obligé ça! Pouvoir looter ce qu'ils ont. Enfin, ce qu'ils... Ouais, ce qu'ils ont. Hop. Combien de munitions de revolver? Ça va, je suis pas en manque. Et c'est l'ascenseur, ça? Je suis à Gemini, Waits. Il faut qu'on remette le courant dans tout le bâtiment. Vous allez devoir utiliser le monte-charge. Mais je n'ai pas vu marcher depuis que Sixon a arrêté de financer les recherches de Gemini. D'accord, donc c'est ça, j'imagine. Non, ça c'est un autre ascenseur. De toute façon, on va pas trop tarder à s'arrêter, je pense. Hein. Alors là, il y a l'accueil, c'est fermé, bien sûr. T'es toujours dans le coin, bien sûr, hein. On ne lâchera jamais les basques.
D'accord, bon, alors attendez. Je vais faire le tour du coin. Rétablir le courant, ok. Là, il me faut la torche à plasma niveau 2. La torche à plasma, tout à fait. Et ben, on va. On va aller là. Bonjour. Ah, avec cette étoile qui est. On va crever ici. Pas très lumineuse. C'est moi que tu parles? Tu veux que je te crame la gueule? Disons que si tu restes là, toi tu vas crever, c'est sûr. Chut! Moins de bruit. Trouvez le terminal de contrôle qu'ils ont laissé pour le gardien des synthétiques. Il est dans une remise devant. Et par pitié, ne faites pas de bruit. Oui, non, mais merci. Point d'intérêt. Donc ça veut dire que c'est une porte qu'on peut. Non, c'est ça. On pourra y aller peut-être plus tard. Pas d'alien pour le moment, des munitions. J'ai récupéré pas mal de munitions quand même. Hein. Je sais pas trop ce qui va se passer, mais j'ai de plus en plus de munitions là. J'ai pas mal de lance-flammes. Par contre, je sais pas à quelle vitesse ça part. Hein. Je pense que le 500 et le 350 à côté, genre, je suis sûr que si j'appuie une seconde sur le bouton de la souris, il y en a au moins 100 ou 150 d'unités de lance-flammes qui vont partir. C'est quoi ça? Ah, c'est, on dirait un sas de décontamination défectueux. T'as bien conduit là, forcément, hein. Établir le courant, un reroutage qui marche pas. Hop, une carte pour moi. Et on va là au bout, d'accord. Sixon a essayé pendant des années de vendre toute la panoplie en parallèle de Sébastopol. Personne n'a jamais mordu à l'hameçon, donc la sécurité est toujours en ligne. Ok, assez bavardé maintenant. Ouais, d'accord, c'est pour ça que... Ok, donc je comprends maintenant ce que c'était cette histoire de vente qui a mal tourné, que l'autre a fait échouer, qui s'est retrouvé en... un peu mis aux arrêts, quoi, ou du moins, il a été envoyé, c'était... Putain, je me souviens plus de son nom. Morlaix, je crois, je sais plus. Non, Morlaix, c'était le... C'est le docteur. Enfin, je sais plus. Mais c'est que Sixon, ouais, donc il était vraiment dans la merde et cherchait vraiment à refourguer Sébastopol. Et ça m'étonnerait pas qu'il y en ait qui sont un peu contre la politique de Sébastopol qui est fait exprès de faire foirer des trucs. Ok. Bon, eh bien... Ah, il y a une caméra, là, putain. Un type mort, là. C'est par là qu'il faut aller pourtant. Elle m'a repéré? Ah, c'est par là qu'il faut aller, mais c'est fermé. Torche à plasma, voilà. Ça fait des sacrés trous quand même, hein. Vache. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir me crafter? Bombe fumigène. Grenade aveuglante. Il marche là? Ouais, c'est pas une bonne idée d'ouvrir la porte tout de suite. Ouais.
Ah bah non, vas-y. Il est juste derrière moi. Ah, raté. Bon. Et ben voilà qui est fait. On peut pas quitter là. Bon bah vous savez quoi, on va s'arrêter là. Cette session d'Alien était moins... j'ai trouvé qu'elle était moins chiante que la dernière. J'étais peut-être un peu plus concentré, un peu moins fatigué. Et non, bah ouais, il s'est passé plein de trucs. Ça fait du bien d'avoir... Putain, écoutez, attendez, je vais revenir au menu principal parce que pour terminer cette session, parce que je n'aime pas rester comme ça, là. Il s'est passé plein de trucs. Ça fait du bien de voir que d'autres personnes dans le Sébastopol, d'autres personnes qui ne sont pas hostiles. Donc ça fait vraiment du bien de voir bah, le Marshall Waits, de voir le gars qui l'accompagnait, je sais plus trop quoi, de voir que Taylor, finalement, pourrait s'en sortir. Et que tout le monde travaille pour essayer de sortir de là et que je suis pas tout seul. Que je suis pas tout seul dans mon coin à me balader tout seul avec très peu de communication dans le vaisseau en essayant de survivre par tous les moyens. Ça a eu bien de savoir qu'on n'est pas tout seul, quoi. J'ai bien aimé le petit passage dehors. Je m'attendais un petit peu plus. C'est vrai, quand j'ai vu qu'on a été dehors, je me suis dit putain, il va se passer des trucs de fou, on va avoir des facehuggers et tout. Et puis en fait, bah, on n'a pas eu grand chose. Finalement, on n'a rien vu de plus que ce que le film pouvait nous montrer. Je vous l'ai déjà dit, mais cette petite scène, outre bah, faire une petite pause dans le jeu, c'était juste du fanservice, hein, je pense. Hein. Il s'est pas vraiment passé grand chose. Enfin, elle a pas servi à grand chose au final, cette scène, quoi. Elle était sympa, mais sans plus, quoi, voilà. Il reste encore beaucoup, je pense, du jeu. On a dû faire... là où on en est, je pense qu'on a fait la moitié du jeu, à peu près, quelque chose comme ça. Donc il reste encore un petit paquet. Et j'ai mon lance-flamme, je vais essayer de continuer à économiser des munitions. Et puis, si besoin, vraiment, j'en ai... Si vraiment j'en ai besoin, au bout d'un moment, bah, je m'en servirai. Mais pour le moment, ça va, j'en ai pas trop besoin. Même si je continue de me faire bouffer de temps en temps, je pense que j'en aurai plus besoin quand le... Vers la fin du jeu, quand le jeu se corsera, hein, parce que j'ai entendu donc qu'il y avait quelques passages qui étaient sacrément corsés sur la fin. Donc je vais économiser, et puis on verra bien. De toute façon, vous me connaissez, je suis très économe sur tout ce qui est munitions. Bon, bah écoutez, moi j'espère que vous aurez apprécié cette session d'Alien. J'ai hâte de faire la prochaine. Donc je vous donne rendez-vous, d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut !